C'est la comprise pour l'aimer aussi. Parce qu'on peut que vous puissiez dans cet amour parfait la manière de l'aimer aussi, lui qui est parfait. Et dans ces chants, on est en train de dire, par quel nom dois-je t'appeler? Vous savez, chaque fois qu'on s'aime, on a des petits noms, on s'échange de noms. On ne s'appelle pas toujours par les noms qu'il y a sur notre identité, vous savez. J'avais vu une femme appeler son mari Monsieur Intel. On se crée des noms, on sait d'où ça vient. Imaginez dans cette condition, il est l'époux et nous sommes l'épouse. Qu'on se pose cette question avec plein d'amour, par quel nom dois-je t'appeler? Non pas comme on ne sait pas, mais parce qu'on se prépare à lancer toutes sortes de noms, pas de petits noms comme les hommes le font, mais un moyen d'essayer de décrire la grandeur de qui il est. En lingala, on dit maintenant, ce que nous allons faire, c'est que chacun de nous va choisir un nom. Après avoir chanté le Benga, le Komonini, essayez d'imiter la mélodie et commencez à lancer autant de noms de Dieu que vous connaissez. Mais à cette condition, faites-les dans votre langue, dans votre langue. Pas seulement en français, en lingala. Maintenant en hébreu, maintenant en arabe, maintenant en chiluba, maintenant en igbo. C'est possible ça? Il faut le faire à lui, avec beaucoup d'intimité. C'est ça. Je suis un peu plus de temps.
Je suis dans la maison.